Eh bien salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XV. Je suis actuellement en live, donc s'il y a des petites musiques qui passent, des petits noms de, enfin comment dire, des petites notifications qui s'affichent à l'écran avec certains noms de certaines personnes, de certains viewers, c'est parce qu'ils sont follow à ma chaîne, tout simplement. Donc là, bah, je suis toujours en écran de chargement vu que j'ai lancé le jeu il y a déjà un bon moment, putain! Donc voilà, je suis en live, je suis en vidéo, donc cette vidéo-là sortira aussi sur ma chaîne YouTube suite aux suivants épisodes qui ont précédé celui-ci. Donc normalement cet épisode-là va être beaucoup plus long que les autres vu que je suis en live, donc je sais pas combien de temps ça va durer. Mais bon, je ferai pas de petites coupures. Normalement je vais pas couper la vidéo en deux parce que voilà, on est sur Twitch. Si pour ceux qui me découvrent par rapport à YouTube et qui ne savent pas quelle est ma chaîne Twitch, je vous invite à me suivre sur Twitter. Et d'aller follow ma chaîne Twitch, tout sera dans la description de toute manière. Tout sera dans la description. Putain, il y a mon chat, non? C'est quoi ce bruit? Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, je règle tout. Tac, on refresh les pages. On refresh, voilà. On va refresh Twitter aussi. Voilà, bim bam boum, tout va bien. Et nous pouvons continuer notre petite aventure. Alors, j'en étais où? Qu'est-ce que je devais faire? On s'est reposé. Donc on a gagné de l'XP. Je dois aller à 870 mètres. Quête. C'est vrai que je vais faire la quête secondaire. Faut que j'aille dans la bagnole pour me déplacer déjà. Allô, à la bagnole alors. Alors encore un petit réglage sur Twitch. Conduite automatique. Quête. Ouais, toi, à 1 minute d'ici. Prêt à repartir, les gars? Ça oui! Allons-y! Allez hop! Roule ma poule! Roule ma poule, allez! Bon, ça, je trouve ça vraiment cool qu'on puisse conduire comme ça. Bon, même si j'ai mes conduites automatiques, je peux interagir quand même avec ce qu'il même fait. Un super garage. Le contraire plutôt serait cool. Étonnant. Il est tenu par un mécanicien Je peux royal. me freiner si j'en Quand ai on envie, sera rentré, pour les faire chier. on pourra plus y aller, pas Mais vrai? bon, ah, et l'essence commence à Tu pourras descendre. y aller Ok, je autant que pensais tu juste que veux. c'était Qu'est-ce qui un t'empêche? indicateur comme ça C'est bon. qui était Si affiché. ça se trouve, Cindy s'occupera personnellement de la voiture que t'as Donc pas. c'est plutôt cool. Ah, c'est donc de ça qu'il s'agit. Peut-être monter Je un peu pourrais mon toujours micro, prêter non? la régalia si tu veux. Oh, t'es On va sérieux? peut-être baisser un Ah, peu le son du jeu via le menu non mais... directement, parce que Oh. je trouve que le son est archi fort. Alors, on va baisser le volume général, non? Voilà, 60, 60. Mais merde, 70, ça devrait être pas mal. On verra bien. Je peux pas Ouais, c'est faire déjà ça. un peu mieux, c'est un peu mieux. Une fois qu'on sera rentré, je me paierai ma propre Ouais, tu voiture. te payeras ta propre bagnole, on s'en fout, merde. Attends. Dites donc, les gars, le fameux endroit qu'on devait trouver, ce serait pas ici? Ah si? On n'a qu'à aller chercher notre cible. Bah oui. Ce serait bien. Avec plaisir. Sauf que là, t'es en train de marcher à l'autre bout. Emballé, c'est pesé. Allez! On emballe et on pèse tout ça! Ça va, c'est juste un combat. Il y a vraiment pas de quoi s'exciter. Oh l'autre là, les gros bras, elle est pas contente qu'on s'excite un peu, hein. Mais tu t'es sérieux? Tu m'as déposé à 300 mètres de ça? Sérieusement, cousin, tu déconnes un peu là. T'aurais pu me déposer juste à côté, histoire d'être un peu gentil. Ok, ça c'est un barrage, non? Attends, quête. Hop, 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 hop. C'est où? Là. Faut que je fasse le tour par là. Ok, ça marche. Let's go, baby. On va prendre notre seconde épée. Allez, cours, ma gueule! On va peut-être mettre un peu de musique, non? Allez, on va mettre un petit coup de Spotify. Attendez, ne bougez pas. Un petit coup de Spotify vraiment en fond. Vraiment, vraiment en fond. Que je puisse régler le son en me déplaçant en même temps. Tac, 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 tac. Ça. Voilà, un petit peu de musique en fond, ça ne ferait pas de mal. Voilà. Moi, je sais pas si on l'entend vraiment, mais bon. Ah, on a trouvé ce qu'on cherchait.
Allez, on y va, on se fight. Ok, t'as pas beaucoup d'effet ça. Les dagues, voilà, ça a plus d'effet déjà. Les dégâts sont orange. Allez, on le baise, on le baise, on le fume. Ah, il m'a chopé le bâtard. Les gars, elle fait plier. Voilà, allez hop, on y va, on l'attaque. Pourquoi tu recules? Chou. Voilà, allez hop. On enchaîne, j'ai pratiquement plus de vie. Un petit là, un petit pompto. Allez hop, ta balle, le petit rond, on en met une deuxième. Tac. Il est où l'autre qui a plus de vie? Non, c'est pas lui, c'est lui. Là on le termine. Voilà. Oh, on va bientôt crever. Allez hop, on le fume. Allez, on y va. Mais non, mais j'étais en train d'attaquer. Allez, on se rassemble. On se regroupe. Je suis là. Ok, la musique, ça me fait chier quand même. Hein. Allez hop, on enlève. Non, on n'a pas enlevé. Allez, lui on le termine, carré. Mais on a esquivé, on a appuyé sur carré. Putain, je me fais défoncer, j'ai vraiment du mal à jouer à ce jeu. Hein. En fait, j'évite pas souvent. Tiens, voilà, on est encore en danger. Allez, on se rassemble. En position. Ça va. Merci. Ils arrêtent pas de bouger. Voilà, allez hop, on y retourne. Allez, on le défonce. Voilà, le petit combo réussi. BA, ok, d'accord. Non, on est loin de la perfection, mon ami. On a de choc carrément. Ok, on l'a passé. On a un peu de choc quand même. T'as un caillou dans ta chaussure. Oh, voilà, t'as qu'à l'enlever. Tu fermes ta gueule, quoi. Il te l'a dit. Ma bagnole, elle est là-bas. Faut que je retourne à ma bagnole. Sur 3, ok, on l'a réussi. Je retourne à ma bagnole. Dommage qu'il n'y a pas un... On va dire un accès rapide à la bagnole là, parce que je dois la laisser loin à chaque fois, c'est assez relou. Ma bagnole! Ouais, on va utiliser les déplacements rapides, mais il veut pas. Voilà. Oh, mais c'est comme ça que je me déplace rapidement. Voili, voilou. Gorge vorace. Faire un rapport à un informateur. Ok, on va aller le faire. Comme ça, si on est passé grade 2, on va pouvoir faire la prime de la chasse nocturne. Module automatique. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Ouais. Ok. Ouais, mais tu vas où là? Là, elle est finie. Pas à la quête, c'est au parking que je veux aller. Non plus, c'est la carte alors. Je veux que tu me déposes. Là. Je peux pas agrandir plus la carte. Voilà, conduire vers cette destination. Voilà. Oh, on est plutôt bien là. T'as un petit peu de musique dans le jeu, voilà. Pas besoin de mettre de musique à part. Dans le jeu, il y en a. C'est cool. Puis il y a de la bonne musique. Marc, ça fait bien passer le temps. L'heure suivante.
pas de monstre, il y a rien. Ah, il y avait une voiture là. On aurait pu s'arrêter pour aller check la voiture, voir s'il y avait des choses à récupérer. Eh, ça vous dirait pas de faire une petite pause? Ouais, ouais, faisons une pause. Je meurs de soif. Tu meurs de soif. Raison suffisante pour s'arrêter. Moi, je vais juste aller rendre ma quête tranquillement. Vous voulez pas manger un bout? Non, 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 on va pas manger de bout, tu vas niquer tout mon argent. L'autre, il a, c'est un estomac sur pattes, le mec, il a tout le temps la dalle. Fais chier un peu. Toujours il a faim, le mec. Oh, arrête un peu. Tu viens faire des courses? J'arrive. Pas faire de courses, moi, je vais rendre ma quête. Vous mangez à votre faim, moi. Très bien, t'inquiète pas. Vous êtes doué. On n'est pas passé grade 2. Donc, ça veut dire qu'on pourra pas faire. Peut-être que je peux relancer aussi des chasses, non? Est-ce que je peux relancer les mêmes chasses? Ces monstres nous laissent pas une minute de tranquillité. Ah, on peut refaire. Mais 7, ça correspond à quoi? Bon, je puisse faire celle-là après. Mais faut être grade 2. On va relancer celle-là, elle rapporte pas mal de glisse, de gils. Je sais pas comment on dit gils. Ouais, ça doit être gils à mon avis. Ça doit être gils, ouais. Bon, alors. Ouais, ouais, t'inquiète pas, on va bien s'équiper. Équipement. Là, j'aime bien là les. Peut-être mettre le feu. Ouais, j'aime bien les dagues. Il fait des bons enchaînements avec. Très bons enchaînements même. Ok, je crois pas qu'il y ait grand chose à compétence. Ah, j'ai 38 PC. Action. Permet de se placer dans les airs avec L plus rond après une attaque sautée. En dépensant des PM, ça c'est moins cool. Permet de faire des esquives sans dépenser de PM en appuyant sur carré juste avant de subir une attaque. Ouais, ça je prends. Augmente les dégâts infligés par les attaques dans le dos. Et là c'est. De toute façon, j'ai même pas assez, c'est 22. C'est 6. Commande. On monte à 18. Ignis. Imprégner les armes de Noctis dans des éléments auxquels l'ennemi est vulnérable afin qu'il lui inflige des dégâts plus importants. Un segment. Concentrer les attaques de groupe sur une seule cible et facilite l'utilisation des compétences coups vicieux. Voilà. Bouclier frappe les ennemis à proximité d'une puissante onde de shank et permet à Noctis d'enchaîner. Ça c'est pas mal. Mettre rapidement Noctis à couvert et lui permettre de faire une attaque spéciale. Oh, une attaque spéciale, ça c'est plutôt cool. Mais j'ai bien envie de débloquer celui-là. Il a vraiment bien. Un truc sur la santé, la commande. Récupération. Accélère regain de PV et de PM que Noctis obtient quand il se met à couvert. Augmente la vitesse de rangement des PV de Noctis quand il est suspendu à son arme. Permet d'augmenter la défense d'un allié en danger au moment de le relever. Ok, j'ai plus assez. Aptitude, non. Équipement, oui, ça. Frappe les ennemis à proximité d'une puissance de champ qui permet de. Ouais, c'est ça que je veux mettre. Voilà, exactement. Bon, maintenant. Que je l'ai fait se rejouer en plus la quête là. Ah. Carte. Mais non, mais putain, je pensais que ça allait nous TP directement dans la voiture, mais non, je suis un vrai imbécile. Je suis un imbécile sérieux, de première qualité. Conduite manuelle, vas-y, laisse-moi conduire un peu. En avant. J'ai envie de conduire un peu là.
Non, la musique. Allez, on y va, tourne. On va refaire la quête vite fait. On va essayer de passer grade 2. Il y a de la bonne musique, hein. On descend. Allez. Là. On descend là, les poteaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller se bastonner la gueule, mon ami. On va aller se taper. On va aller défoncer du monstre un peu. On va aller les exterminer. Bon, cette fois-ci, je me démerderai un peu mieux. J'essaie de me démerder beaucoup mieux. Il n'y a pas un endroit où je peux me mettre en hauteur là, avec mon saut éclair. Là-bas. Let's go! Allez, on y va. Ouais, ça va. Ça va, j'ai à peine commencé le fight, je suis déjà en danger. On est tous focus là. Oh, on est vraiment une merguez. Voilà, tu vois ce que ça fait quand tu m'énerves, ça fait ça. On l'attaque, on le défend. Ça va, les esquives, elles marchent jamais ou quoi? Ah, Gladius, je peux pas le faire, pourtant c'est cyclone. Je comprends pas pourquoi je peux pas le faire. Oh là là, les parades. Vas-y, prompto. Prompto, tu gères. La peur va changer de camp. Allez, on recommence. Prompto. Encore. J'aime bien les enchaînements de Prompto. Cette fois, la peur va changer de camp. Voilà, ils m'ont pris en guet-apens là. Je me fais défoncer, c'est pas normal, je comprends rien. Vraiment une merguez. Oh, on a fait une belle attaque là. Vas-y, on le termine. Allez, on le termine. Là, on l'enchaîne. Ouh, là c'était pas mal les dégâts qu'on lui a fait. Avec la dague, on enchaîne bien. Chasse réussite, 20 coups. Voilà, des étoiles. On aurait peut-être pu avoir encore une étoile aussi. C'est un peu dommage. Et moi, je meurs de faim. L'important, c'est qu'on soit vivant. Bah ouais, on est vivant, t'inquiète pas. J'arrive mieux avec les dagues qu'avec notre épée, la lame motorisée. Allez, on y va. Conduit Toto. Conduit Toto. Carte, tu me déposes là. Oh merde, j'ai fait le voyage rapide, fais chier. Fais chier le voyage rapide, j'ai complètement de choc là. Fais chier. Vous voulez pas manger un bon... Ouais, mais tu vas niquer tout mon pognon, toi.
Il a tout le temps faim, le mec. Sérieusement. Il a tout le temps faim. H24, le type. J'ai pas faim, H24. Vous êtes l'ami de Sid. Belle performance. Attendez, je réponds à un petit tweet. Remplace cette tenue, ça va, on a 2065. Bon, allez, on va leur faire un petit plaisir. On va bouffer. Est-ce que je vais passer mon grade? J'ai même pas fait attention. Vous voulez des infos sur la région? Vous savez quoi? Une petite mission principale serait pas de refus. Donc déjà on va voir s'il y a des infos. Ok. Ça c'est revenu. Quoi d'autre? Rien. Ok. Info. Ok, c'est menu. Compris. Attaque plus 150, PV maximum plus 200, récupération de PV. Allez hop, on va se manger ça. On va aller faire une petite quête principale. J'apporte ça tout de suite. On va faire ça, ouais. Petite quête principale. Ah ouais, ouais, ouais. Sinon, c'est archi bon ton truc là. On a gagné 5 PC. C'est pas mal. Tous niveau 6, on est exact, tous ex-aequo. Ah, quoique, la Noxis il a pris une petite longueur d'avance. Ouais. Gagne de l'XP plus facilement apparemment. J'espère que vous avez bien mangé. Alors, on va faire le plein de la merguez là. Faire le plein. Comment on fait? Faire le plein, ouais. Oh! C'est sérieux, ça passe? Ah non, j'ai cru que ça passait le moment d'aller faire le plein. Oula, en plus c'est la chère dame toute sexy là. Elle a dit hop! Et elle fait un car wash en plus, bah dis donc. Plus belle que jamais. Pourquoi en France y'a pas des choses comme ça? C'est dommage. Le réservoir est plein. La voiture est propre. On a assez. Conduite auto. On va aller à notre quête principale. Il y en a pour une minute. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. On y va? Allez, let's go baby. On va faire notre petite quête principale. Allez, tu tournes. Oh. T'accélères. On va les faire chier. Boum. Ah non, elle est pas assez vite. J'aime bien quand ils se cognent la tête, quand ils font un petit bisou au pare-brise là. Petit bisou au pare-brise, voilà, j'adore. Excuse-moi. Et il dit excuse-moi en plus, j'adore. Pas mal cette petite musique. J'adore la musique qui passe à la radio. Allez, accélère, putain, je vais lui mettre un biturbo ou un triturbo dans cette bagnole, ça, elle avance pas. Oh, c'est long, my god, c'est excellent. Se garer, gare-toi là, au motel. Tourne, voilà, nice mon pote. Là aussi, il y a un restaurant. Et si on se reposait un peu? Mais vas-y, ça va coûter cher. Choisissez une destination dans la liste. Inis vous y conduira automatiquement en passant par les chemins les plus courts. Ok. La conduite automatique n'est disponible qu'en journée. Vous devez conduire vous-même après le coucher du soleil. Ok. Ça pète, elle aime pas conduire la nuit. Merci beaucoup. Vous avez fait tout ce chemin pour moi? Vous inquiétez pas. On va sortir ça du coffre. Inutile de bouger la voiture. Ah ouais, un petit clébard avec nous serait pas mal.
Content de te voir. T'as quelque chose pour Noct? C'est un bon toutou, ça. Ce chien a un flair incroyable. Oui, c'est l'un des meilleurs messagers qui soit. Comment tu fais pour toujours nous trouver? Attends, bouge pas. Attends, mais il vient d'où le clébard, là? 12 ans auparavant. C'est mignon. Fleur. Je trouve aussi. C'est la même que celle dont on a fait une couronne. Je m'en souviens. Les fleurs de cils. N'inquiétez pas les gens, quand je coupe la cam, c'est que je me fais une petite clope justement. C'est juste pour pas vous montrer que je fais, tout simplement. Est-ce que tu pourrais emporter ce carnet dans tes bagages? D'accord. Et aussi, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais que tu me le renvoies, après avoir collé quelque chose dedans. Une histoire d'amour, ça. L'heure est venue pour moi de quitter... Ténébrae, que voulez-vous écrire? On va enfin se revoir, moi je suis parti des Somnia, ok. J'ai envie de dire, je vais faire le mec romantique, on va enfin se revoir. Voilà, c'est bon. Fais attention à toi. Au fait, Noct, tu nous l'as jamais montré, ce fameux bouquin? Parce que ça te regarde pas. Bah quoi, c'est un secret? Il nous le dira pas. Bon, là, y a pas des petites missions ici? Maintenant que notre mission est accomplie, en route pour Galdina. Non, y a pas de route pour Galdina, y a pas de machin... Oh, toi, t'avais un point d'interrogation, là. Quête, nice! Excusez-moi, j'ai trouvé une enveloppe pour le clan Meldacio dans le paquet. Meldacio, le QG des chasseurs? Oui. Le chef du clan se trouve dans la région. Vous pourriez lui remettre? Vous avez maintenant une quête secondaire. Pour consulter les destinations et l'objectif, ouvrez la rubrique quête du menu principal et choisissez la quête désirée. Ok, quête. Attends, les bleus c'est les secondaires. Les rouges c'est principal, bleu secondaire et les jaunes c'est les chasses. Ok, l'adieu du chasseur. Les 5 que celui du chasseur qui parfois revient en mission et vous demande de partir sur la trace de certains de ces hommes qui ont ainsi disparu et trouver leur plaque d'identification pour confirmer leur décès. En pareil cas, c'est le seul objet que la famille peut espérer récupérer pour faire son deuil. XP 500, super potion 10, on y va, let's go baby. Alors, dans un... Oui, il y a un cercle bleu ici. Il y a un petit magasin là-bas, qu'est-ce qu'il vend lui? Qu'est-ce que tu vends toi? Comment allez-vous? Acheter. Potion, élixir. La bouffe. Ça coûte cher tes ingrédients, merde! Les ingrédients 100, il n'y en a pas pour la voiture. Soutien de FI permet d'écouter la bande originale de Final Fantasy 2. Moi je vais acheter cette merde là, juste parce que je suis un kiké. Merci. Voilà. Allez, prochaine. On y va, on y retourne. Alors on va aller à notre quête. Il se trouve par là-bas. Non. Par où, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Adieu du chasseur. What? Attends. Chercher Dave. Ah, faut que je cherche Dave. Que j'ai pas capté. Je cherche le vieux Crouton. Il est là? Ouais, il est là. Tiens, c'est vous. Je vous remercie pour la dernière fois. Donnez la lettre à Dave, bien évidemment. Aussi. En fait... Ça ne s'arrête jamais. Alors ils en ont trouvé une autre. Une autre quoi? De quoi tu parles? Une petite médaille. Nous, les chasseurs, on porte une plaque d'identité au cas où. Au cas où vous auriez oublié votre adresse? Non, plutôt pour savoir qui ils étaient. On risque notre vie en étant chasseurs. Et parfois cette médaille... C'est l'unique chose que l'on trouve de nous. Ça fait partie des attributions du clan, de prévenir les familles.
C'est pour ça que j'étais venu dans cette région éloignée. Eh ben... Si par hasard, vous tombez sur des plaques d'identité de chasseurs, ce serait possible de me les remettre? Non, voilà. Ok. Compte sur nous. Quelqu'un a repéré une plaque de chasseur pas très loin d'ici. Le mieux est de demander des détails au resto, le Crow's Nest. Ok, on va lui demander des détails au resto. Trouver des infos sur les environs. Ok, on va faire ça. C'est ça, les fameuses plaques. Mieux vaudrait la ramener. Ne serait-ce que pour la famille. T'as raison. Ce serait bien. Bienvenue au Crow's Nest. Au moins, toi aussi, tu vas avoir des... Je vous sers. Allez, hop. Carte mise à jour, info de quête. C'est tout? Pas plus? Chercher la plaque d'identification. Menu, non, j'ai pas envie d'aller dans le menu. Non, pas envie d'aller dans le menu. Vous pensez être 14. Oh, ça signifie quoi les chiffres à côté 14? C'est le niveau de difficulté? Voilà, excusez-moi. On va les faire dans l'ordre. On va prendre ça en plus. Oh, on dirait des petits lutins. Des ombres dans la mine. Le cible de votre contrat de charge n'apparaît que la nuit. Attendez, la nuit tombée. Ok. Attendre la tombée de la nuit ici. Ouais, ouais, comme ça on fait ça. Allez, let's go baby. Ne prenez pas de risque. Ouais, on prend pas de risque. J'y vais à pattes. Quoique, c'est loin ou pas cette merde? Non, moi je suis où? Je suis là. Ah ouais, quand même. Pas à côté, je vais conduire. On va conduire quand même, c'est pas à côté. Toi, tu m'emmerdes. C'est risqué de conduire la nuit. Restons-en là. Continue de conduire. Alors, je vais prendre le volant. Bon, alors, je prends le volant dans ce cas-là. Comme tu voudras. En tout cas, essaie de ne pas faire de feu. Je s'inquiète, ma biche. Conduite manuelle. Nocte, ça ne te pose pas de problème? Il fait super sombre. Mais non, ça va. Alors que je regarde bien là, à droite, et au bout de la rue, à gauche. Je peux quand même te remplacer. À droite, à gauche, pardon. Et au bout, à gauche. Politique toujours. Dame Luna Freya de Tenebrae a officiellement commenté la signature du traité de paix. C'est avec un grand soulagement que j'ai appris que la menace de guerre s'éloignait et qu'un accord de paix avait été trouvé. Ce sera un véritable honneur pour moi de sceller cette alliance pacifique entre nos deux nations avec mon propre mariage. Je suis consciente que ce changement peut être une source... Putain, j'ai déjà perdu un quart de mon réservoir d'essence, quoi. Fuck! Ça consomme cette merguez! Allez. Cherchons les petits lutins là. Où ils sont? Ténébrae pour se rendre à sa cérémonie de mariage. Durant cette période de réjouissance, Dame Luna Freya interrompra temporairement ses fonctions d'oracle. Et donc le mariage est dans le traité? Bien sûr, une simple formalité. Ah ouais, il y en a beaucoup. Alors c'est une sorte de mariage. What? Bien. Ok. Oh ça va, ils prennent pas mal de dégâts. Ça défile pas non plus. Voilà, on va faire ça. Mais pourquoi il veut pas? Ah bah oui, je suis con, j'ai pas changé d'arme. Attaque-le, je sais pas, fais quelque chose. BM épuisé. Ok, d'accord. Il est où le dernier? Il est où? Là. Oh, ça va, ils sont pas si compliqués que ça. Oh, tu... Oh, tchou! M'a propulsé le bordel. Yeah! On les a tous niqués. Oh, ça va! C'était pas si dramatique que ça, quand même. Ouais, j'ai plus de PM, fais chier.
ce sera à Pince qu'on va retourner à la voiture. La Gova, elle est là. Regalia, conduite maniale. En avant. Faites demi-tour, c'est carré. Allez, on y va, mon pote. Dommage qu'on peut pas sortir de la route, ça te recalibre automatiquement dessus, c'est relou. En tout cas, tu peux faire du contresens, ça c'est pas mal. Tu tournes, se garer. Ça va rendre la quête. Ouah, toutes ces lumières. On va pouvoir dormir tranquille. Non, tu dors pas. Ouais. C'est le meilleur moyen de garder les démons à distance. Ouais. C'est l'autre côté de la route. Qui a dit qu'on allait dormir, les gars? Il n'y a pas besoin de dormir. Sérieusement. Je suis pas fatigué. Oh, le bug. C'est quoi qui a marqué? Examiner quoi? Voilà. Allez, on rend la quête. Nice. Oh, on a pas beaucoup gagné, on a pas... Ouais. Ah si, quand même, pas mal, on a gagné pas mal. On a bientôt fini le grade 1. Vous avez faim, j'espère. Non, j'ai pas faim. Mes potes qui dorment à moitié. Cette mission n'est pas facile. Cauchemar de chasseur le jour. Ça c'est la nuit. On va faire l'autre. Accepter le contrat. Cauchemar de chasseur. Chasse acceptée. Allez, dégage. Je souhaite bon courage. Normalement le jour il va pas tarder à se lever. Ah, quoique il est 22h dans le jeu. 22h, est-ce que... J'ai que dalle comme XP les gars, je vais pas aller me coucher tout de suite. On va aller me checker tout de suite. En avant. Ok, on y va. Alors. Ouais, mon autre quête est en bas. Quoique je peux aller là. Je sais pas si j'ai besoin... Si, on va... c'est quoi on va conduire? Faut que j'emprunte le petit chemin là à droite. Voilà, emprunter le petit chemin, comme ça on va faire un bout de chemin en bagnole. Voilà. Prenne et on descend. On descend là. Bon, allez. La quête, on va afficher celle-là. What? C'était pas ça que je cherchais. L'adieu du chasseur, voilà. On fait ça le temps que le jour se lève. Et ça serait bien qu'il y ait des bestioles de nuit là qui tombent. J'aimerais bien. Voir à quoi ça ressemble. À ramasser, c'est quoi? Du bois fossilisé. Ok, c'est super nul. Après le mariage, Dame Luna Freya et toi, vous retournerez à Insomnia? Ah, je sais pas. Examiner. C'est trop tôt pour le dire. Oh, qui aurait imaginé? Qu'est-ce qui se passe encore? Récupérer la plaque d'identification. Bah. Ok, maintenant faut que je retourne à l'autre bout. Par contre, je vais récupérer ça avant. Ouh, il y en a pas mal à récupérer. Du poivron. Des poivrons. Et des poivrons. C'est super naze. On a que du poivron. La bagnole est là-bas. Putain, je pensais que ça aurait été un poil plus long. Comme ça, on aurait eu le temps de passer la nuit. Mais même pas!
Notre bagnole est là. On ira la pimper un peu s'il y a moyen de faire pas mal d'améliorations dessus. J'aimerais bien la pimper là, j'aime pas trop la couleur qu'elle a. Demi-tour. Ok. Tac. Là-bas à gauche. Ok. J'aurais bien voulu couper par la forêt direct là. Enfin, par la plaine plutôt. Il y a juste moyen de faire des zigzags dans le jeu. Je suis au freinage. Non. Pas moyen de faire des dérapages non plus. Tu freines et on descend. Ils vont pas aimer quand je conduis. Putain, j'ai dit tu freines et tu descends. On a besoin d'exercice. Allez, on va chercher la plaque. Apparemment, il y en a pas qu'une des plaques, il y en a plusieurs. Oh putain, je fais le connard alors qu'il y a des mouvements. Bon, ça va, ils sont au niveau 2. Allez, hop. Ok, j'ai oublié qu'il faut verrouiller les ennemis à chaque fois pour bien les attaquer. Il en reste un. Ok, il est mort. Allez, on va ramasser la plaque. Donner la plaque d'identification. Ok. Là, il y a quelque chose à ramasser. De l'autre côté. Waouh, quelle belle couleur. Allez. Ma bagnole. Oh, ça va, t'as plus de PM, on s'en fout. 1h du matin, peut-être qu'il y a le temps de faire tout ça. Là, j'appuie sur triangle comme si on était sur GTA pour monter dans une bagnole, s'il te plaît. Prêt ? On est parti. J'ai toujours pas trouvé d'endroit pour pêcher. Je sais pas comment on fait pour pêcher avec ce mec. J'ai toujours pas trouvé de lac. Non, super mal fait, je peux pas passer à travers. Ah, vous avez trouvé une plaque d'identité. Merci. Oh, non, c'est rien, on a fait que la ramasser. Essayez de pas trop penser au sort de ce malheureux. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Souvent, ça me travaille, moi aussi. Ça me pèse. C'est justement pour ça que c'est important de récupérer ces plaques, même si c'est dur. Mais si on se laisse paralyser par l'émotion, ça fera plus de familles qui ne retrouveront jamais leurs plaques. Ouais. Et ça, il a raison. Je peux pas l'accepter. Ouais, c'est certain. Je dis la même chose à mes chasseurs. Si vous trouvez des plaques, il est impératif de les rapporter. Quête achevée. Trophée obtenu. Est-ce qu'il y a d'autres plaques à ramasser ? Ou il y en avait qu'une seule ? Je crois qu'il y en avait qu'une seule. Ouais, super potion x10, on les a obtenus. Qu'est-ce qu'on a à faire ? On a ça, mais il faut attendre qu'il fasse jour. Oui, tu sais quoi, puis on va aller se coucher. Oh, un client. 300 ? Ça va pas la tête, toi. Vas-y, vas-y, je vais faire un tour. Nos matelas récemment. Malade, lui. 300. Pour aller se chécou, non, mais ça va pas la tête. Pire, je vais changer de quête, je vais faire une de nuit. Et se dépêcher d'y aller. C'est pas un peu full type. 300, il me demande pour aller me dormir dans un putain de matelas. Ça va pas la tête. Vous devez être affamé. Ah, on dirait des gros tas de morts dans Pokémon. La cible de contrat ne chasse que la nuit. Attendez la tombée du jour. Ouais, il fait déjà nuit quoi. Allez, il est 2h du matin, faut qu'on se dépêche d'aller là-bas. Le saut de connard, il va pas conduire.
En avant. Ok, on y va. Ok, toujours le petit chemin. Donc, je pense à mettre de l'essence aussi dans la bagnole. Faut surtout pas que j'oublie, sinon si elle tombe en rade après c'est la merde. Je suppose qu'il y aura toujours moyen de la réprovisionner en gasoil, mais bon. Après chier de perdre mon temps pour ça. Descends là. Allez jeune prince, allons buter ce monstre. Je crois que c'est le niveau en fait, le chiffre qui est à côté, c'est-à-dire le niveau qu'ils ont les ennemis. C'est-à-dire que ceux-là ils sont peut-être de niveau 14. Alors que nous on est à peine niveau 6. Ce serait vraiment emmerdant là. Allez, 3h du mat. Normalement ils sont encore là. Il fait encore nuit. Ouais. Ma femme des trucs durs. C'est sûr que. Ok, la dague, c'est pas la bonne. Le combat va être très dur. Est-ce que celle-là elle fait des dégâts? Ouais, un peu de violet. Allez, la petite parade. Encore une petite parade. Voilà, on a fait un bon petit enchaînement. Ok, là on s'est fait victimiser. Prompto, tu gères, mais là je gère moi-même, je gère rien du tout. Ouais, non, j'avais pas l'air dans mon assiette, on va plutôt se faire niquer la gueule là. Mais c'est pas cool du tout, là j'aurais jamais dû me lancer sur ce combat. Ah, j'ai raté mon enchaînement. Oh, ça va, oui, les attaques ils vont trop vite là. Mais non, c'est pas vrai. Vas-y. On serre les rangs, on soigne tout le monde. Allez viens, on le tape. Nice. Allez, on change d'épée. Ah! J'y arriverai jamais à le battre. Jamais j'ai voulu m'attaquer à plus fort que moi là. On va essayer la glace, mais je suis pas vraiment sûr que ça fonctionne. C'est bon. C'est moi. Quand vous voulez, les gars, pour qu'on. Voilà. Oh, ça a rien fait. Allez. Oh, moment où je lâche le carré, quoi. Allez. Mais pourquoi je peux pas utiliser ce cyclone? Arrête avec mon défaitisme. Je comprends pas du tout là. Bon, ça va. Eh, je vais jamais les battre par contre. Allez, Ignis. On sera
Allez Ignis, on se regroupe, donne-nous un peu de vie. Ouais, t'attaques hein. Voilà. Bon, ça va. Allez, on va peut-être les battre hein. Non, on va peut-être pas y arriver. On va peut-être pas y arriver. Allez, éclipse statique. Hop, un objet. Super potion. Ok. Je vais en utiliser sur moi. Ok. On va focus lui. Yes, il y en a un qui est mort. Deux. On peut peut-être le faire. Il a plus l'air de réagir lui. Hop, l'esquive. Encore l'esquive, ça c'est pas mal. Ah, oh, on a pas esquivé là par contre. On est dans la merde. On est une merde. Allez, finissez-le, putain. Voilà. Allez, on le finit, on le finit. Wow. On a fini? Alors ça. Eh, c'était pas facile hein. Tu viens d'entrer dans l'histoire. On a gaspillé trop de potions pour eux. C'est trop. Il y a une voiture qui vient de se barrer. J'espère que c'est pas la nôtre. C'est la nôtre et dans la merde. Hein. Pêche, le combat aura duré de 2h du matin à 5h. Hein. On a passé pas mal de temps. Moi c'est cool, tu vas pouvoir reprendre sa conduite automatique, c'est un peu gonflant de conduire. Conduite auto, allez hop. Parking. Tu vas nous conduire là. Bon, vous êtes tous. Allez mon gars, conduis-nous. Et il va nous faire faire tout. Ah non, c'est bon. Égare-toi. Putain, j'en ai marre d'être malade, sérieux. Hey Noct, on va manger au Cross Nest. Ah, je viens de les boucher, j'en encore peux plus. Encore de la malbouffe. Pour grossir, il n'y a pas de meilleure solution. Allez, je vais me rendre ma petite quête. Ouais, c'est pas faux. L'autre jour, j'ai vu un soldat Magitech. Ils font peur, ceux-là. Quoi que tu voulais que j'examine, là? Ouais, c'est toujours le même truc. Bienvenue. Allez, gros tas de morphes, c'est fait. On va passer crade 2. Nice. On est passé grade 2. Nouveau grade de chasseur. Vous avez reçu une récompense pour votre nouveau grade. Armil de titane x1. Ouais, je sais pas ce que c'est. Vous avez faim, j'espère. Cette mission n'est pas oh, facile. Oh ouais, on a débloqué violent. Là, c'est niveau 18. Là, c'est niveau 8. On peut l'accepter. Ça, c'est en plein jour. Niveau 8, on est niveau 6. Ça peut passer. Alors, les autres, laisse tomber. Mais pas assez de level encore. On a combien d'XP à rendre, là? Toi, on a rien. Là. On a rien comme XP à rendre. Bon, vous êtes tous ouais, prêts. On est prêts. On y va? Ouais.
Ouais, c'est pas là que je voulais aller, c'était là. Là, c'est tous au même endroit, hein. Tous au même endroit. Pourquoi tu passes par là, hein? Mais t'es con! Pourquoi il fait ça? C'est pas là que j'ai demandé à aller! Vous êtes sérieux, les gars, là? Je peux pas y aller. What? Allez, de jour! Je peux pas y aller en bagnole, c'est sérieux? Ouais, je peux pas y aller en bagnole. Bon, on va y aller, yep, c'est pas grave. Bon, ça va, 450 mètres, on peut le faire à pied. S'il y a un petit trésor sur la route. Si je passe pas à côté. Oh, super la météo. Ouais, tu l'as dit. Faudrait pas passer à côté du trésor par contre. Un peu plus sur notre droite. Un peu plus par là, je dirais. Et là, le trésor. Oh, excusez-moi, je suis un peu fatigué quand même, hein. Alors 150 mètres, mais on rentre dans le périmètre. Ils ont l'air assez gros quand même, hein, merde. Je les voyais pas aussi gros. Ah, on a trouvé ce qu'on cherchait. Ouais, c'est quelque chose. Je crois que nous avons trouvé nos cibles. Voilà. Ah, tu m'as raté. Ouais, j'ai paré, t'inquiète pas, ma gueule. Ah, là, j'ai pas paré par contre. Mais vous êtes sérieux de me mettre dans un mur là? Ouais, ça me saoule d'être dans le mur. Allez, venez. Suivez-moi. Non. Voilà. Arrête de courir. Tu vas forcément crever. Légion, yes, on te fait saigner. Ah, j'ai esquivé quand même. Je vois pas quand il me porte tes coups. Ah, si, là j'ai vu. Ah, fais chier. Je peux jamais utiliser le truc de Gladiolus. Hein. On le tape par l'air, il équipe pas trop. Mais ça va, ouais. Oh ya, yeah, ça allait pouvoir manger. Et on le termine, Pompto. Voilà, on l'a terminé. Mais j'ai appuyé. Ouais, ça va. C'est dur d'esquiver. PM épuisé, PM épuisé.
Et m'épuiser, allez hop. Tu vas là-bas, tac. Saute. Voilà. Tu m'as pas vu ? Pardon. Il se pourrait que ça se complique un peu. Ouais, je te le fais pas dire. Hey, il lance les dagues, ok. Wouah, cet enchaînement qu'on vient de faire. Vas-y, attaque-le. C'est lourd. Oui, il fait que ça, il est bugué, il est bugué, il est bugué. Oh non 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 non. Ah, on finit les pèmes là-dessus. Voilà. Merci. Ouf, c'est bien passé. Et moi je meurs de faim. C'est bien passé. L'important c'est qu'on soit vivant. Mais il y a un truc que je comprends pas, Gladio. Le truc de Gladiolus là, je peux pas l'utiliser. Pourquoi? Une attaque tournante. Non. Cyclone, bouclier. Ah, faut qu'il ait un bouclier dans sa main. On va changer du coup. C'est pour ça. Attends, je voulais voir ses compétences. Non. Aptitude. Que niveau 1 ? Capacité à trouver parfois les potions après des combats. Ok. Capacité à prendre des photos. Capacité à utiliser le filtre. Oh, ok, d'accord. Il peut utiliser des filtres. C'est pas le moment de faire l'idiot. J'ai glissé. Oh, j'ai glissé, qui dit. Par contre, je dois avouer que c'est un peu chiant de marcher comme ça. Quelle chaleur étouffante. Ouais, je suis d'accord. On va essayer d'aller ramasser tous les trésors. On va rendre cette quête. On va aller finir celle d'en bas. Il y en avait aussi qui apparaissaient que la nuit avant de changer de continent, je sais pas trop quoi. Là, on doit aller dans une autre ville apparemment. Ok, c'est là. Je sais pas où je vais. Bienvenue. Oh, vous êtes vivant. Nice, t'inquiète pas mon pote, on sera toujours vivant. Ok, on a 7705. On va faire plaisir à nos potes, on va leur donner un peu de bouffe. Je vous sers quoi ? Peut faire. Ouais, et un campement, on va aller dormir gratos. Avec un parking en plus. Ville et lieu de repos. Trop de trucs ils ont apparu d'un coup. Mais du coup on va pas bouffer. Notre pote il va nous faire un petit peu de cuisine. Sauf que je vais pas dormir ici parce que ça coûte trop cher. Attends, on va voir ce que je peux faire. Conduite auto. Quoi ça, magasin? Ah, je peux consulter des trucs d'ici directement. D'accord. Oh, ça coûte 500 bas. Chier, chier. Une prestation de cheville rendant hommage à un soldat célèbre. Elle augmente un peu la constitution. Ouais.
Ouais. Allez, conduite auto. Conduite auto, conduite auto. On avait déjà établi un campement ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va établir ce campement là tout de suite. On va aller faire celui-là. Carte. On ira à cette destination. Bon, voilà. Vous êtes tous prêts? Ouais. Ça, ça me laisse le temps de fumer une petite clope. Alors moi je vous dis les gars, je suis pas pressé de terminer le jeu, je suis pas pressé de griller les étapes on va dire, parce que j'ai pas envie de rush la mission principale et de rater pas mal de choses avec les missions annexes ou ce qu'il y a à récupérer et tout. Ça me ferait un peu chier de rush la mission principale. Ou sinon, je fais comme dans mon let's play de Far Cry, un épisode mission principale, un épisode mission secondaire. Et les trucs vraiment chiants, je peux les faire hors caméra aussi. Mais je trouvais pas mal le concept de faire une mission principale une semaine et une mission secondaire l'autre semaine. Il faut voir aussi comment le jeu se comporte, parce que si on passe à la ville précédente, à la ville suivante pardon, et qu'on revient et qu'on puisse pas revenir à la ville précédente, c'est un peu galère. Non. Ok, d'accord. Bon, ça doit être par là. Déjà on va récolter tout ça, comme ça si on dort et que ça se régène on sera bien. C'est vrai aussi que je peux concocter moi-même des sorts on va dire. Ça j'ai oublié, on va voir si on peut pas se concocter un petit truc. Voilà, on peut monter par là. Nice. On y est. Camper. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ok. C'est bon, je monte la tente. Allez, monte la tente, mon pote. J'espère qu'après on pourra acheter une meilleure tente. Bon, c'est pas que celle-là est dégueulasse, mais bon, j'aimerais bien avoir un peu mieux. Temps passé un jour. Yeah. Un jour de jeu, tu veux dire. J'ai pas joué un jour encore. Attaque 50, PV maximum 200. J'aimais bien le coup de la pizza, permet de courir sans dépenser de l'endurance. Attaque plus 20, PV maximum 150. Attaque plus 10, PV plus. Attaque plus 30, on va faire ça. Les pizzas au fromage. J'adore. On les a pas vu monter la tente cette fois-ci et prendre des petites photos et tout. On a pris qu'un niveau, c'est tout. Il gagne rien lui en cuisine, sérieux. Il gagne que dalle. Sympa. Pas mal la photo, j'aime bien. Oh ça là aussi elle est lourde. Ouais, bah je sais, tu vas pas me dire à chaque ça fois quand même. Pas trop de camper, mais la nourriture est super. Tu m'envoies ravi. Alors. Sérieux.
Magie, magie, magie. Là. On va mettre un peu. On va en mettre 10 de ça. On va en mettre 20 de ça. 5. En 15. Je sais pas ce que ça va donner. Allez, Orkan. Lance au hasard un sort d'élément feu, glace ou foudre. J'en mets beaucoup plus. Et là, si j'en mets max aussi. Et là, si j'en mets max aussi. Je baisse. J'essaie de trouver quelque chose de juste. Foudre. Lance un élément de foudre. On va aller au max. Non, il y avait un truc qui s'est affiché, non? C'est quoi? Vas-y, on met tout au max. Comme ça, on a une puissance maximum. Et puis, c'est tout. Et on en a x3 en plus. Voilà. Comme ça, il y a moyen de faire masse dégâts. Est-ce qu'on a des nouvelles choses pour toi? Non. Oh, yeah. Ah, accessoires. Putain, on en a des choses. Impression de sphère qui augmente les PV plus 100. Un bracelet en titane augmentant les PV maximum. Un collier vert en cuir, il augmente la vitesse de relation des PV. Un bracelet de bronze, il augmente un peu les PV maximum. Protection de cheville, rendant en main. Allez, hop, un plus de protection pour toi. Toi. Pas beaucoup de vie, donc on va t'en foutre de la vie. Ah, tu peux avoir un javelot deuxième arme. Bah, vas-y, mets-toi ton javelot. Bah, t'as pas beaucoup de vie. Oh, t'en as encore moins, toi. Pas gagné d'uniforme. Merde, c'est pas ça. Équipement moi maintenant. Est-ce que je peux avoir un truc mieux? J'ai pas beaucoup de vie moi aussi hein. Pas beaucoup de vie non plus. Compétences 22. Soutien, compétence qui étoffe et améliore les actions automatiques de Glodolus, non. Caractéristique, c'est quoi le truc de la vie, loisir? Augmente les points de compétence gagnés lors des nuits passées au campement. C'est le truc de mon cuistot là. Non, ça augmente la durée, on s'en fout. Récupération. Permet d'augmenter la défense d'un allié en danger pendant un moment, on s'en fout. Allez hop. Suivant. 24. Magie. Augmente le montant d'essence élémentaire que Noctis peut récolter. Et augmente de 10 points la puissance des sorts. Ok, j'ai pas assez pour les deux. Commande. Ok, ça c'est good. Aptitude, on s'en fout. Inventaire, qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? Un minerai rare qui brille, le reflet argenté essentiel pour fabriquer de la peinture métallique ou argentée. Ok. Faudrait que je trouve un endroit pour pêcher, fort. Sérieux. Si t'étais pas là, je sais pas ce qu'on. Ah, un lac là sur la carte. Y a rien pour pêcher, sérieux.
Oui, je veux test. J'ai envie de pêcher, merde. Et quoi? On va essayer d'aller chercher le coffre, récupérer là. Passer là, récupérer ça, ça, prendre ça, prendre ça, prendre ça, prendre ça. Ouais, on va faire ça. On va juste mettre un marqueur. Ah si, repère, voilà. En cas de besoin, il y a toujours des cup noodles. Tu peux pas t'en passer, hein, c'est dingue ça. Quoi, toi aussi t'aimes bien ça, non? Ouais, alors. Mais quand tu seras marié, ce sera fini pour toi tout ça. Ah ça, tu ne pourras plus faire ton difficile. Faudra pas sauter le dîner pour ensuite aller te faire des nouilles instantanées en pleine nuit, hein. Ah, on va récupérer ça déjà. J'essaierai de faire un effort. Vas-y, récupère. Ma gueule un peu. Y'a pas un truc vert bizarre là-bas? Yeah, démon! C'est presque des vacances! Quel est le programme? C'est fini? Ok. Ah, c'est une voiture, ok, on s'en fout, on s'en balèque quoi. Ok, il va falloir grimper sur cette montagne. Pas grimper là. Il m'a trouvé un moyen, non? Ok, va faire le tour. Fais chier, j'ai pas envie. Méga Phoenix. Ok. Repère c'est carré. Je suis con, l'endurance est illimitée donc c'est bon. Oh, là il y a quelque chose à miner. Ça pourrait servir pour la peinture. Ok, je l'ai ramassé. Y a pas eu le... y a pas eu l'action de fête. Mais non, tu peux t'en occuper. Tout seul, mais t'es malade quoi? Oh là. Ah ouais, y'en a beaucoup. On va mettre les dagues pour attaquer vite. Il est attaqué. Putain. Le prince des tueurs. Vas-y, mais attaque! Tac, tac, boum, boum, on y va, bam, bam, bam! Voilà. Et il y en a encore. Je vais juste ramasser mon petit quelque chose là. Ah, en combat, tu peux pas? Ils arrêtent pas de bouger, eux! Pas moyen que je les capte d'ici? Non. J'aurais pensé. Mais non! Peut-être ça peut être un bon moyen de se déplacer, ça. Évidemment. Tout ça. Vas-y! Oh, mais sélectionne-le! Il est où? Ok, tout à l'heure je suis en rond. Inutile de traîner par ici. Il en reste un. Voilà! Oh, je peux plus grimper là-haut avec mon triangle. Hein. Chier, je comptais sur ça.
RTX. On est arrivé au camp. Allez, affiche ta carte, putain. Maintenant, faut qu'on aille à ce camp-là. On va tous les activer. C'est plus sympa d'y aller à pied, comme ça, moi, ça fait monter l'aptitude de Gladiolus. J'ai du mal à le prononcer, son prénom à lui. Yeah, du monde. Appuyer sur carré, c'est une grosse connerie. Ok, c'est fini. Oh bah oui, il y a rien à voir ici. C'était trop facile. Tu vois, c'est pour ça que je veux faire toutes les missions secondaires tout de suite, parce que après si tu reviens niveau 50 pour clean le jeu, tu vas te faire tellement chier, t'auras plus aucune envie de jouer quoi. Tu vas faire des mobs comme ça, tu vas leur mettre un demi-coup et ça va être fini quoi, c'est un peu nul. Bon, vous voulez vous défouler un peu? Si tu veux pas se mettre à couvert? Non. Bon bah vas-y. L'échec n'est pas. Ok, c'est bon, ça arrête de t'exciter là. Ah, le bonhomme il voulait pas lâcher l'affaire. Allez, on y est presque à l'autre campement. Attends, mais j'ai raté des trésors en même temps. Mon casque il se barre un peu. Enfin, j'ai raté ça quoi, c'est pas. Wow, c'est pas méchant. C'est surtout les trésors que je veux pas rater. Me sens mou avec ce temps? Absolument. Nouveau sanctuaire débloqué. Ça y est, on y est. Il est pas un peu tôt là? Comme ça, on sera prêt. Il est jamais content. Alors, quand je dors pas, il est trop tard. Quand je veux dormir tout le temps, il est trop tôt. Putain. Ils savent jamais ce qu'ils veulent. Hein. Ah, là, il a pas de stock. C'est pour ça qu'il gagne pas. Il aura de quoi faire là. On va voir s'il va gagner un peu d'XP sur son aptitude. Peut-être qu'il gagnait pas de points d'XP sur son aptitude parce que j'avais pas le stock pour faire ces pizzas. Peut-être que c'est dû à ça. On verra bien. Ah voilà, là il a gagné, un niveau même. Cuisinier débutant. Ok, il a pris qu'une photo, le con. Ha! Allez, le jeu, s'il te plaît. Prompto, tu as pris combien de photos au total? Au total? Je sais pas trop. Même si ses amis ont chacun des goûts différents, quand un personnage mange une de ses nourritures favorites, c'est. Prends des photos de nous au lieu de faire des grimaces tout seul. C'est comment peuvent. Oh bon, j'ai du mal à lire d'un coup. En plus, t'aimes pas qu'on te prenne en photo. Et bien maintenant, il t'a donné sa permission. Alors là, je vais pas me gêner. Ok.
Alors maintenant, où c'est qu'on va? Carte. Ce campement là qu'on n'a pas encore activé. Donc on va y aller. On va y aller, on va y aller. Et après, finir Nous y sommes. Les quêtes faibles là-bas. Un kilomètre quand même. Ah ouais, c'est chaud. De la flemme d'y aller à pince. Hein. À récupérer ici, c'est pas mal. Alors c'est quoi? Patate douce, je suppose. Patate douce et repatate douce. Ça fait loin quand même, j'aurais peut-être dû y aller en bagnole. Pas moyen d'y aller en bagnole. Retourner à la voiture, ouais, parce que là ça fait un peu loin quand même. C'est vrai que j'ai un peu poussé mémé dans les orties là. Voilà, retournons à la putain de bagnole. La putain de bagnole est là. Conduite auto. Ici. Là. Oui. Prêt à repartir, les gars? Ça oui. Allons-y. Là, tu devrais prendre une voiture comme ça. Une voiture, une photo là. Crac. 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 Tu prends des belles photos là. Regarde avec les montagnes et tout. Bra. Non, moi je t'ai dit, tu me conduis là-bas, tu vas me conduire là-bas. Ok, d'accord. J'aurais dû me garer, ça aurait été mieux. Bon, ça va, ça fait moins loin que prévu. C'est vrai que c'est pas très passionnant de marcher, 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 mais bon. Hop, ils ont apparu comme ça eux. Ça va être tranquille. Oh là, un petit combo. Un vrai jeu d'enfant. Ok, merde, j'ai plus de PM. Brah! Oula, l'enchaînement! J'adore faire ça. Fini? Me laissez tranquille? Tranquille! Alors notre petit campement. Ouais, je suis au max, il va falloir que je concocte une petite un petit sort. Ah bah, arrête de faire ton cinéma. On va essayer de faire un petit truc sympathique pour ces petits copains là.
Sinon, je la garde pour moi, le truc, je sais pas. Alors. Voyons voir. Magie. On va mettre 5 comme ça. 5 comme ça. C'est au hasard. Donc, glace, lance un sort de glace. Il y a un truc vraiment. Extra glace, lance un sort d'élément glace supérieur. Et je rajoute un peu là. Lance au hasard. Un extra d'élément, ça c'est cool. Allez hop. Voilà. On va se l'équiper. Voilà. Et puis à toi, allez hop. À toi mon chéri, on va te mettre ça. Voilà. Et pour récolter ce qui traîne. Voilà. Toujours ça de prix hein. On se fait le petit campement. Et on va refaire nos missions secondaires. Et on finira par la mission principale. On change. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas le moment de faire l'idiot. Qu'est-ce qu'il faisait là? J'ai glissé. J'ai pas compris là, il y a eu un petit bug du jeu. On monte la tente. Ouais. On va dormir dehors ce soir. C'est le blond qui aime bien. Ça, c'est Gladiorus. Faire un truc où il a masse recette, comme ça on pourra la faire en boucle. Non, on va faire ça, vas-y. J'ai rien gagné comme XP là normalement. Ouais, j'ai 53 XP récupérés. Oh bah ça nous a permis quand même de passer de niveau. Et de monter un peu sa cuisine à celui-là. J'ai toujours pas pu pêcher, ça m'emmerde. Putain, j'ai un truc dans l'œil. Ça m'emmerde aussi. Ouais, maintenant c'est dans l'autre. Ah, je vous jure. Putain. Ah, ça discute, ça discute. Noct, tu aurais un moment? Ouais. Demain matin, j'aurais besoin de ton aide, en fait. Le matin? Pourquoi faire? Tu m'aiderais à préparer le petit déjeuner? Bah ouais. Ouais, il faut bien manger. Bon, je compte sur toi demain. Préparer le petit déjeuner? Ok, on va préparer le petit déjeuner ensemble en amoureux, alors. Alors, est-ce qu'on va préparer ce petit déj ou pas? Ou il voulait juste papoter le type? Un de vos compagnons souhaite utiliser votre talent. Retrouvez-le à l'aube demain pour lui donner un coup de main. Attention à ne pas vous éloigner du camp. Ok, putain. Il faut que tu fasses mijoter ça. Mais il faut pas que ça brûle. Et comment je fais? Il suffit simplement de remuer un peu de temps en temps. Ok, on va essayer de s'en occuper. Les ingrédients, vous mijotez, vous ne devez pas arrêter de remuer en parlant. Sinon la nourriture pourrait attacher et brûler la casserole. Remuez bien le contenu du plat avec elle pour que la cuisson soit uniforme. Au fait, quand as-tu cuisiné pour la dernière fois? Oula, ça fait tellement longtemps, j'ai oublié. Quand tu bossais à mi-temps au resto? C'est possible. En tout cas, on peut pas dire que ça me passionnait. Je sais pas, je bougeais de joystick. Je me demande si on pouvait appeler ça de la cuisine. Pas selon tes critères, j'imagine. Alors,
Voyons comment ça mijote tout ça. C'est pas encore tout à fait prêt. Continue de touiller, si ça t'embête pas. Les ingrédients sont bientôt cuits, vous ne devez pas arrêter de remuer en parlant, sinon la nourriture pourrait cracher. Ouais, on le sait. Mais au fait, pourquoi est-ce que tu voulais que je t'aide à faire la cuisine ? À vrai dire, je voulais créer une occasion de discuter tous les deux. Pour que, disons, tu lâches un peu de vapeur. Tu voulais me cuisiner, quoi ? Hein ? Pendant toutes ces années, t'as jamais arrêté de t'inquiéter pour moi, hein ? C'est le rôle que m'a confié Sa Majesté. Tu parles. Bon. Ça doit être prêt maintenant. J'espère. Bravo. Excellent travail. C'est cuit à la perfection. Tu devrais en goûter un peu. Ah, voilà, c'est toujours meilleur quand on le fait soi-même. Rien ne vaut le goût du fruit de ses efforts. Ouais, c'est pas mal. Et ça ne te donne pas un petit peu envie de te mettre à la cuisine ? Non, moi je suis pêcheur, laisse-moi tranquille. Non, je préfère te laisser faire, c'est plus sûr. Oh, mes espoirs s'envolent en fumée. Eh ouais, mon pote, tu vas rester mon cuistot personnel. Parce que je suis le fils de Sa Majesté. Eh bah, ça me gêne pas si ça devient pas une habitude. Par contre, je te préviens, j'ai pas envie de me lever tôt pour ça. Ah, tu sais pas ce que tu rates. La rosée matinale réserve bien des surprises. C'est ça, bien sûr. Bah, peut-être que je verrai ça un jour. Demain matin. Bon, on n'a qu'à dire le mois prochain, non ? Merci, tu m'as bien aidé. Ah ouais, sérieux ? Bah tant mieux alors, je suis ravi. Ouais. Oh le faux cul. Oh le faux cul, putain. 20 PC, putain, pour avoir touillé une casserole, j'ai gagné 20 PC. Ok, ouais, j'étais en train de me dire que vous savez qu'il faut que j'aille, qu'est-ce qu'il faut que je foute. Qu'est-ce que c'est ça ? Quête secondaire ? Bien envie d'aller à cette quête secondaire là. Si on se reposait un peu. Tu te fous de ma gueule. Et si on se reposait un peu alors qu'on vient juste de redémarrer. Oh. Tiens. Ça va ? Tiens-toi droit. Dis donc, t'as rien à faire ? En cas de problème mécanique, il y a qu'à demander à Sylvie. Ouais, bien sûr. Super potion. Oh, elle est où, Big Boobs, là ? Elle est là. T'es lourd, Noct ! Elle est là, Big Boobs. Ah, j'oubliais. Avant de partir d'ici, ça vous dit de la... Ouais, c'est ce que je venais faire. Tuning. Et il y a 5 glisses pour amener l'arène, ouais. Ce sera quoi, aujourd'hui ? Alors. Bleu nuit. Tu veux quelle couleur ? Maintenant, choisis la couleur intérieure. La caméra tourne trop vite. Oh. Noir et blanc. Vas-y, il faut voir les roues maintenant. Quelle couleur pour les jantes ? C'est juste couleur. Non, on va les mettre blanches. Y'a pas blanc ? Bon. Ce sera comme ça. C'est tout ce que je peux te proposer actuellement. Tu veux quel autocollant ? T'as trouvé quelque chose ? Oh
le voit même pas, le putain d'autocollant. Tu veux quel autocollant? T'as trouvé quelque chose? Tu veux quel autocollant? T'as trouvé quelque chose? Tu veux quel autocollant? Ça te va comme ça? Je vais vous la bichonner. La bichonne là, comme ça tu me la laves en même temps. Ça m'arrangerait. Voilà. Exactement comme vous la vouliez. Merci Big Boobs. Ouais, pof. J'aime pas trop la couleur en fait. Tant pis. Bon lui Toto. Là. Carte. Oui, allez à cette destination. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. On a pour un moment, je crois, d'aller là-bas. Ouais. Un bon petit moment. Ah, il y a des monstres. Stop it now. On descend. On va aller les buter. Excuse-moi. Masse monstre. Bien, quel est le programme? On va aller buter ceux qui sont à gauche là. Let's go baby. C'est pas le moment. Bien sûr que c'est le moment. Oh, je l'ai fait tomber. J'avais appuyé sur triangle. Mais ça va, faut faire combien d'esquives à la seconde? Ok. Ah là, on est derrière lui. Oh, il a fait masse dégâts. Mais je reste appuyé sur carré, c'est quoi cette connerie? Ah, toi tu crèves. Bon allez hop, tu m'as gonflé. Prends un gros sale coup dans la gueule, voilà. Eh, j'ai appuyé sur carré pour faire des escapes, ça marche pas. Ça marche pas. On prend pas. Ignis, fais attention. On est derrière. Ok. Et je comprends pas, j'appuie pourtant. Ouais, ça va. Bah, hé hey, oh, je fais que ça de spammer le bouton, ce qui me laisse pas me relever. Mais j'appuie sur carré. Hey, j'ai du mal à comprendre ce jeu.
Bon, tu le tapes. Voilà. Voilà. Ah, esquive, 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 esquive. Allez hop. Brrr. Là, on l'aura fait mal. Ah merde, on a électrocuté tout le monde par contre. Ah oui, putain, j'ai pas pris les bonnes armes. Voilà. Allez, maintenant on va faire les autres là-haut. On a eu chaud cette fois. Ouais, non, t'inquiète, mon pote. On était cuit. Rester en vie, ça me va parfaitement. Hein? Ok. Je sais pas, j'en suis à combien. Je peux pas infliger autant de dégâts. Ah si, bah c'est fait. Ok. Voilà. Moi j'ai un peu du mal à comprendre le jeu encore, mais bon. Merde, la bagnole est là-bas. Oh, je crève de chaud. Eh ben, t'as qu'à enlever ta veste. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. On y va? On va continuer notre route vers l'espèce de quête secondaire qui était affichée. Oh, il y avait un petit truc à prendre là. C'est chier. Ah, il y avait un coffre ici. Elle a une frontière, ça a l'air fermé. Ouais, c'est en dessous. Sérieux? C'est quoi? Noct. Surtout, n'oublie pas d'acheter des médicaments. Compris. Pourquoi des médocs? Ok, la mission est en dessous. Peut-être un donjon. Ouais, y a peut-être de nouvelles armes ici. N'hésitez surtout pas à regarder. Acheter épée large. Attaque 142. 42 pardon. Oh, c'est les mêmes. Hein. Mille. Ça coûte 1000 cette connerie alors que j'en ai trouvé un. Vas-y, t'es un escroc, dégage. Hors service. Ah, elle est là, ma quête secondaire. Salut. Si ça vous fait pas un détour, vous pourriez m'aider? Je cherche encore une plaque d'identification. Pas de problème, je vais t'aider.
Chercher la plaque d'identification. Elle est où? Oh mon gars, je veux bien t'aider, mais s'il n'y a pas un petit indice. Il est pas où? Vous m'avez l'air en forme. Alors, toujours en voyage? C'est moi ou elle est buggée la mission? Chercher la plaque d'identification. Ah, c'est là-bas, putain, j'ai pas vu le petit curseur. Oh putain, j'ai galéré à passer dans ce petit trou. Il faut y aller. Gladio, on y va. Ah, il y a un campement. On a découvert un campement. C'était même pas affiché sur la carte en plus. Ça y est, on y est. Non, 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 on le fait pas maintenant. On le fera à chemin retour. Waouh, quelle belle couleur. Allez hop, on va chercher la plaque. Là-bas, non? Oh, il y a du monde là! Il y a du monde! On va se cacher pour récupérer les PM. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est sérieux! Là, il en a fallu du temps. Ouais, c'est good. Ah, j'allais dire peut-être ils sont pas méchants, mais si. Ouais, ça va, niveau 3. Oh, y'a les putains de piafs. Oh, il m'a tapé le connard. Oh, la caméra là, là. La merde là. La caméra parfois elle est pas top. Hein. Oh, on tape derrière. Attends. Récupérer des PM. Oh, c'est sérieux là? Mais on crève, putain! Merde!
Finissons-en. Noctis! Noctis, qu'est-ce que je fais? On sait rien. Fini de rigoler. Ça marche. Merci. Prends-toi. À l'attaque! Nice, voilà. Qu'est-ce que t'as, Spanouche, là? Et moi, je meurs de faim. L'important, c'est qu'on soit vivant. Voilà, et la plaque, la plaque, la plaque. Quelque part dans le périmètre. À la voiture. Ah, c'était sûr. Super. Content qu'on l'ait trouvé. Allez, cours, connard. Normalement, j'ai pas tout ramassé ici. Voilà, comme ça maintenant on fait le campement. Nous y sommes. Je me sens sale et poisseux. Donc passé 0 jour, on a pratiquement même pas passé une demi-journée quoi. Fait chier. On a pas gagné beaucoup d'XP alors. Pas les ingrédients. Là, t'as tous les ingrédients et ça plaît à Gladiolus. Bah, ça plaît à toi-même. Attaque 50 PV max. Tu vois, si ça te plaît, c'est toi le cuistot, hein, après tout. Alors, faut voir les photos maintenant. Ah, oh, mais comment j'assure quand je veux? Une vraie star de chez Star. Oh, ils sont vraiment partout. Fais des photos à la con là que t'as pris par contre. On te annule tes photos. Ouais, toujours la classe internationale. Pas la peine d'en faire une histoire. Voilà, cette fois, si elle vient me demander de leur faire la bouffe, là, c'est pas la peine. D'insomnia? Oui. C'est sûr que ça change. Il y a des bêtes et des démons partout. La nature est belle, mais impitoyable. Seuls les plus forts peuvent survivre. C'est clair. Heureusement qu'on a le cristal et le mur à la capitale. Et le pouvoir du roi. C'est... Vous me l'avez ramené. Maintenant, je vais m'occuper de la restituer à la famille de ce chasseur. On a peut-être dû dormir après ça en fait. Ce fichu monstre. C'est bon, ça que je voulais faire, putain. Ouais. Ok, on y va. Alors, où c'est que je peux aller? Putain, il y a là-dedans, là. Vas-y, juste pour aller voir ce qu'il y a.
Ah merde, on est déjà arrivé. Ok, d'accord. Allez. Ok mec, j'ai rien dit. Ouais, il y a des trésors et machin. J'ai envie de passer. Je l'ai pas fait ce campement. Faut que je mette les cartes à jour aussi. Pas mis les cartes à jour. On y va quand tu veux, Ignis. Ça passe là-bas, on met la carte, la carte à jour, on remet un peu de coco dans, dans l'automobile. Et voilà. Est-ce que j'aurais pu mettre la carte à jour ici? Attends, fais demi-tour. Garde-toi vite fait, je vais aller au marchand là-bas, vous. Je mets la carte des environs à jour. Ah non, il mettra pas la carte à jour lui. Qu'est-ce que t'as à vendre? Potion. On a acheté une dizaine. Merci à vous. Je refais un peu le plan de bouffe, tout ce que j'ai pas. S'en mettre plein les poches, voilà. Bon, ça gaspille un peu de thunes, mais bon, c'est pas grave. Là, ça lui donnera des nouvelles recettes. Allez, au revoir. Ouais, au revoir. Eureka, qu'est-ce qu'il y a, Ines? J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte. Vous êtes tous prêts? Ouais ma gueule, on est prêt. Roule ma poule. Ça va prendre un peu de temps là par contre. Hein. La musique est un peu nulle là. On l'a passé. C'est pas nous, j'étais là. Voilà, comme ça on remet du coco. Et si on se reposait un peu? Pas envie de me reposer moi. Attends, on va aller mettre la carte à jour. Oh. Ah, c'est encore vous.
Vous avez besoin d'une info? C'est tout. Ok. Faites votre choix. Merci d'avance. Prenez soin de vous. Oh. Non, on a plus beaucoup de sous, on va juste mettre du coco. Que jamais. Monte dans la régalia là. Conduite auto. Carte, non. Quête. On va faire notre quête principale. 3 minutes pour aller là-bas. Putain, on va vraiment attendre 3 minutes. Tous prêts? Ouais. On y va? C'est qui conduit cette fois? Non, c'est toujours le même qui conduit, hein. Là, t'es en conduite auto. Rattrape la bagnole, rattrape la bagnole là-bas. Run, 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 run. C'est vrai que ça fait loin quand même. Pas faire autre chose en attendant là? Bon. Ha! Dégue. J'ai toujours pas pu pêcher, putain. Ah bah on est loin encore. Oh, il y avait un campement là. Hopi. On a raté plein de trucs sur la route. Mais la carte est vraiment très grande quand même. On est parti de là. Là, on rate pas mal de trucs. Et demi-tour. Ok, d'accord, il va pas. Ok, tant pis, laisse tomber. Ah, peut-être qu'on va pouvoir pêcher, j'aperçois la mer. Quai de Galdina. Ça donne envie de se baigner.
Et derrière, c'est quoi? C'est une montagne, ça? Je sais pas. C'est bizarre. Non, c'est une île. Une montagne ou une île, on s'en fiche. Les gens viennent pas pour ça, mais pour leur massage, célèbre dans le monde entier. Et aussi, les crustacés. Leurs fruits de mer sont fameux. Ah bon. Je pense qu'à bouffer, lui. J'ai hâte de voir ça. En même temps, c'est un peu le custo du groupe, donc bon... Voilà, nous sommes arrivés à destination. Oh, carrément, tu te gares propre et tout. Allez. Moi, j'ai envie d'aller pêcher. Attends, on va voir s'il y a des nouvelles armes ou pas. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans mon stock? Pélard, un javelot. Toujours la même chose. Allez, à bientôt. Moi, je veux pêcher. Ah, on peut aller pêcher. Je sais pas à quoi ça peut servir de pêcher, mais bon. Salut, mon frère. Viens pêcher, quoi. La pêche, ça te tente? Ouais, ça me tente, mais... Une ligne standard d'usage courant. C'est facile à manier pour les débutants. Une de qualité supérieure qui a été traitée pour plus de résistance, elle peut être utilisée contre les prises particulièrement tenaces. Mais il n'y en a pas en stock. Allez, bon courage. Vas-y, on va pêcher, on va voir ce qu'on peut faire. Bon. Noc, on dirait qu'on peut pêcher ici. Ah ouais? C'est vrai? C'est la première fois que j'ai l'occasion de pêcher en dehors d'Insomnia. Je me demande quel poisson il y a. Vous avez découvert un pont de pêche. Vous pouvez essayer de la pêche temps, favori de Noctis, familiarisez-vous avec la technique, essayez d'attraper quelque chose. Pour commencer, choisissez de lancer votre leurre, déplacez le marqueur qui se trouve à la surface de l'eau. Celui-ci réagit lorsque des poissons se trouvent à proximité. Il est où le... Il faut voir s'il y a des poissons. Poissons, petit, 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 petit. Là, ça bouge. Une fois le leurre dans l'eau, déplacé. Hein? Déplacez-le en robinant la ligne avec moulinet pour changer l'emplacement de votre leurre et essayer de trouver un bon positionnement pour attirer les poissons. Alors, enroulez la ligne et déplacez le leurre. Ok. Vous pouvez relancer votre ligne à tout moment si un poisson ne mord pas. Je comprends pas trop comment il faut faire pour pêcher. Là, il y a un poiscaille. Mais vas-y, mort, putain! Je comprends que dalle, hein. Oh! Le leurre a attiré l'attention d'un poisson aidé. Essaye de le faire mordre en rebobinant la ligne de façon régulière ou en lui imprimant divers mouvements. Mais non, mais je comprends rien! Là, je comprends que dalle. Un poisson mordu. Inclinez L dans la direction de la flèche pour assurer votre prise.
Les potions essayent de s'échapper incliné la canne dans la direction des flèches à gauche et à droite de l'écran. Putain! Ça mord. La tension de la ligne est très élevée lorsque la tension clignote en rouge, relâchez un peu un quart d'heure pour arrêter de tirer et donner un peu de mou. Hein? Ma chérie s'est connecté à PlayStation Network avec une autre PS4 et a été déconnecté de cette PS4. What? C'est quoi cette merde? C'est sérieux là? Wow. Délire. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire. On l'a eu? Bien joué, Nox. Yeah. 2,868 kg, nouveau record, bravo, vous avez réussi à pêcher un poisson. Vos prises vous permettent de cuisiner des plats ou même d'obtenir des trésors. Ah, c'est un bon bestiau celui-là. Par contre, j'ai pas trop compris. Vous pouvez tenter de vous concentrer sur un poisson destiné à la cuisine. Un poisson sur radar indique un poisson comestible. Moi, je vois pas le poisson comestible, moi. Non, mais j'ai pas compris le délire. Quelqu'un s'est connecté à ma console là. La qualité du poisson en tant qu'ingrédient et sa valeur en tant que trésor dépend de sa rareté. Améliorer votre optique, ok. Bon, pas c'est quoi le bleu? Alors toi, tu te la joues un peu, non? Bien sûr que non. Qui n'explose cependant pas quand une proie mort, elle plonge dans le fil et revient. Ouais, c'est celle-là, on verra bien. Ah bah dis donc, tu te lasses jamais. Hein. Non, j'aime bien la pêche. Ah. Putain, mais y en a plein des poissons là. Yes, t'as mordu. Ok.
Ouais, on l'a chopé encore un. T'es un champion. Tu es moins gros. Ouais, ça se voit. Ok. Vas-y, je vais encore là-bas, moi. Ça a l'air de bien marcher. Ah oh, putain, mais il veut pas suivre le putain de Poskai. Ok, on va essayer par là. Ça a l'air de marcher par là. Par là, ça a l'air de bien marcher. Vas-y, mais mort, connard. Putain, je comprends pas grand chose au Poskai. Allez, suis. Oh putain, il m'a fait peur en plus. Pointe ta canne vers le poisson. Ah là, un troisième. C'est cool. Mmh. Oh. Un tout petit, ceux-là. T'es sûr que ta ligne va tenir le coup? Vous pouvez changer votre équipement à partir du menu matériel, hein, mais j'ai rien d'autre. Noct, ta ligne est sur le point de casser. C'est pas grave. Non, pas trop la ligne. Ah, la ligne elle va péter, merde. Ça se trouve, je l'aurais pas ce poisson. En plus, elle a l'air plus gros que les autres. Il
Allez, on finit. Nice, la ligne, elle a pas pété, les gars. Tu pêches de mieux en mieux. La ligne, elle n'a pas pété. C'est un petit poisson, ça. Tu devrais changer ta ligne avant qu'elle casse. Ouais, arrêtez de pêcher. Ouais. Voilà, c'est bon, les gars, je me suis détendu un peu. T'en voilà. Tu veux pêcher? Au plaisir. À bientôt, j'espère. Hé, hey, Noct, jette un coup d'œil. Quoi donc? Il faut qu'on fasse le tour. C'est quoi ça? Notre communauté a besoin de vous pour la protéger. Rendez-vous au restaurant le plus proche et pensez. Ok. Et ça. Votre chère mère récompensera vos efforts d'un bon plat si vous lui donnez le mot de passe Para Mundi. La prochaine étape de votre glorieuse quête se trouve près des lieux de la terre crevassée. Eureka! Qu'est-ce qu'il y a, Ignis? J'ai pensé à une nouvelle recette. Ah, j'ai hâte d'y goûter. Point de contrôle F. Notre chère mère récompensera vos efforts d'un bon plat si vous lui donnez le mot de passe Baramundi. La prochaine étape de votre glorieuse quête se trouve près du lieu où la terre fut crevassée par trois fois. Je comprends pas. Bon, on a pêché, c'était cool. Vu ce que ça pouvait, ce que ça donnait la pêche. Tiens. Fragment de métal, ok. Ah, les restaurants. Bienvenue à Galdina. Nous n'avons pas le vent en poupe. Hein? Le bateau, vous voulez le prendre? Ouais, pourquoi? Eh bien, hélas, il n'y en a pas. T'es sûr de ça? Libre à vous d'attendre, si vous voulez. Personnellement, j'ai mieux à faire. Il est louche, ce mec. C'est peut-être à cause du traité de paix. C'est quoi, ça? Une pièce commémorative? Hein? Sérieux? Mais non. Juste... de l'argent de poche. Hein? Bon. T'es qui, toi, au juste? Je ne suis qu'un humble voyageur. Oh. C'est ça. Un peu bizarre, le type, non? Vous y croyez, vous, à cette histoire de port fermé? Je trouve ça étrange. Mais ça a l'air d'être vrai. Le mieux, c'est qu'on aille voir nous-mêmes. Bienvenue à la mer des perles. Ah ben, les informations déjà. D'accord, vous n'êtes pas là que pour manger. Non, 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 moi je veux des infos, rien à foutre de bouffer. Il m'a mis pas mal de trucs là. Déjà, il y a un campement. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Voilà ce qui est disponible. Et à la plage. Ok, annuler l'autre contrat. C'est des crabes! C'est des petits crabes, des petits tout mignons crabes. Surtout, ne prenez pas de risques. T'inquiète, bichette. Faut que j'aille inspecter le pont. Déjà, il y a quelque chose à prendre ici. Je peux pas sauter, merde. Regarde, maman, la mer, on dirait un miroir. La mer, on dirait un miroir. Ça, c'est pour dormir, ça me coûtait la peau des couilles encore. Moi, je voulais inspecter le pont. Alors qu'on était à côté, voilà, qu'on inspectait le pont.
Erreur de passage du ferry hors service. Toujours pas de trafic. Oh, quelle poisse. Pas un bateau à l'horizon. Je comprends pas pourquoi. Quête. Oh, on en a plus qu'une, ok. Bon bah ok, on va aller la faire. Malheureusement, vous pouvez pas faire grand chose. L'Empire a donné des ordres très clairs. Aucun navire ne doit quitter Alticia. C'est vrai que... arriver à la bourre à son propre mariage, ça l'affiche mal. Moi, c'est Dino. Ah, en fait, je suis journaliste. Une info comme quoi le prince joue au chasseur dans sa belle auto, c'est un scoop. Vous avez de la chance, je suis un reporter très intègre. Vous resterez incognito en échange d'une faveur. Quelle faveur ? Qu'est-ce que tu veux ? Vous avez gagné 80 points d'XP, ouais, ça déjà pas mal. Ah, t'acceptes ? Génial ! Montre-moi ta carte. Qu'est-ce qu'il va me rajouter sur la carte ? Je vous ai indiqué l'endroit où chercher. Ramenez-moi des pierres précieuses. Ensuite, j'en ferai des gemmes. Si vous faites ça pour moi, je vous trouverai un joli bateau. Refusez et la tronche du prince sera à la une des journaux. C'est des menaces en plus. Putain, on n'a pas le choix là, les gars. On est un peu grillé. Dis donc, il a l'air de tout savoir sur toi, lui. Faut dire, on n'est pas spécialement discret. Même si on l'avait été, ce journaliste aurait trouvé de toute façon. Il peut nous être utile. N'en faisons pas un ennemi. Bien dit, l'ami. On va en faire un allié. Ok, la nuit est tombée. Pour l'interrogation, ça doit être toi. Non. On va parler à un chat quand même. Oh, un chat. Tu fais quoi, toi? Une petite balade? Eh ben alors, tu t'es perdu ou quoi? Peut-être que t'as faim, hein? Eh ben voilà, j'avais raison. Attends un peu. Je vais te trouver un truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à manger à un chat? On lui achète une boîte? Ou alors on lui pêche un poisson? Bonne idée. On va pêcher. Non! Mais j'ai déjà pêché, les gars. Wouah! Ça, c'est génial! Attraper une carangue géante. Oh bah, d'accord, ça fait la liaison, hein. On va le donner au chat. Tiens, regarde, il est tout frais. Quoi? T'aimes pas ça, le poisson cru? Ah, t'aimes bien ça, mais seulement s'il est cuit, d'accord. Allez voir le chef à la restauration, ok. On va aller lui donner son putain de poisson cuit. Hein. Bienvenue à Galdina. Ça doit être lui, normalement, à qui on doit parler. Passez votre commande. Nous avons une large sélection. Mais vas-y, tourne. Poisson aux herbes à la sauce tomate. Je sais pas, on verra. Oh, 2000. Je vous apporte ça tout de suite. Ça m'a coûté 2000. Putain. Là, ça m'a ruiné ce putain de poiscaille. Contente de vous voir. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Merci d'être passé chez nous. Quête, putain, fallait cliquer sur quête. Vous auriez pas quelque chose qui plairait à un chat? C'est comme ça que tu dragues les filles? Hein? Quoi? Non, pas du tout. Non, c'est pour le chat, là-bas. Je plaisante. Je connais bien ce matou. Je vais voir ce que je pourrais lui préparer. Sauf que je n'ai plus de poisson. Un client vient de commander le dernier qui me restait. Dis-moi, tu penses être capable de pêcher un toi-même? Pas besoin d'en repêcher un autre. C'est délicieux. Le poisson fraîchement pêché, y a rien de... Ouais. Et
c'est à Galdina qu'il est le... Fais chier, taper quel dernier. Quel beau poisson! Je vais le faire cuire. Tu aimes bien les animaux? Alors fais attention. Les chats peuvent être assez collants et difficiles pour la nourriture. C'est vrai que ce chat est un fin gourmet. Il suffit de pas grand chose pour que les chats refusent la nourriture. Tiens, voilà, ça, ça devrait lui plaire. Merci, guys. Voilà, on y va. C'est ma boutique préférée. On va le donner au petit chat. Moi aussi, j'ai un chat, donc... Cette mission me touche. Il faut les nourrir, les petits chatons. Tiens, voilà pour toi. T'es pourri gâté comme ça, hein? On peut pas l'adopter? Il a l'air de t'aimer. Visiblement. Regardez-moi putain, ça. Putain, l'XP que ça nous a donné. Noct va lui apprendre à... m'a pêché. On a gagné une écaille de dragon. Ok. Il y a quand même pas énormément d'action dans ce jeu hein, pour l'instant. C'est le début, de toute façon tous les débuts de jeu sont un peu soft. Là il y a vraiment pas grand chose. Hein. Quête. Niveau recommandé 3. C'est tout. 3. Vous savez quoi? On va aller établir le campement qui est là-bas et puis après je vais vous laisser là-dessus. Hein, parce qu'il va falloir que j'aille me coucher. Demain, je me lève assez tôt. 5h30. Ça fait tôt. Le campement, il est là-bas et on voit la fumée. La vue nocturne, ça me plaît bien. Allez, on va faire le petit campement okay. Et puis on va dire au revoir, les amis. Hein. Lumière magique. Tu t'es cru dans un jeu vidéo ? On est dans un jeu vidéo. Attends, on va récolter ça. On va pouvoir se faire des petites potions magiques. Ok, on a été trop loin. Le casque qui me gêne avec les lunettes, c'est horrible. Et l'électricité, elle est là. Maintenant, on peut établir le campement. On monte la tente ? Ouais, on monte la tente. Je dors debout. Mange quelque chose avant de te coucher. Alors, qu'est-ce qu'il va nous cuisiner, le cuistot ? On a pratiquement passé une journée. Temps, bilan D. Technique D. Ennemi vaincu D. On est le dernier de la classe. On a déjà mangé. Attaque 70, PV max 100. Attaque 40, PV max 200. Allez, on va rebouffer la même chose qu'hier. C'est pas grave. Tant pis. Oh, pratiquement pris deux niveaux. Hein. Ouais, la pêche, on a gagné un bon niveau. On est passé niveau 3 aussi en cuisine. Photographie 3. Et Gladiolus, toujours niveau 2. C'est un peu long à monter le sien. Alors que normalement, il y a juste à marcher quoi. Sympa. Ah, ça, c'est une belle photo ça. Allez hop. L'illustration parfaite de l'amitié sur cette photo. Voilà, des bonnes petites photos. Alors. Ah, une petite discussion.
Ignis commence à me saouler, à me faire la morale. Déjà, si tu te levais plus tôt, il serait moins souvent sur ton dos. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour que tu arrives? Je sais. Demain, on se lève à l'aube et on part tous les deux s'entraîner sur la plage. Ok, mon pote. Si t'es si sûr de toi... C'est décidé. Je veux te voir debout aux aurores. Pas de panne d'oreiller. Ok. Oh, je voulais sauvegarder. Ah bah ça sauvegarde déjà en fait. Alors, vos compagnons souhaitent vous utiliser vos talents retrouvés à l'aube de demain pour lui donner un coup de main. Attention à ne pas vous éloigner du camp. Ok. Tu vas voir, je connais l'endroit idéal. On y va. Ouais, d'accord. Attends, mon ami. Oh, je suis obligé de la faire. Non, je peux retourner l'écran titre. De toute façon, ça vient de sauvegarder. Attendez que je vérifie. 4h07 et 27 minutes de jeu. Et 27 secondes, on va dire. Là, qu'est-ce que je peux charger? Un peu long. 4h06, bon bah voilà. Oh, mais non, regardez, je suis fatigué, les gars. Oh, fatigué. Bon, voilà, les amis, sur ce, je vais couper live. Cool record aussi va se couper. Cette vidéo sera upload. On a 2h44 de vidéo. Ouais, je vais l'upload comme ça, hein. Tant pis. On la coupera pas, comme ça ceux qui veulent regarder ma rediffusion live, ils pourront. Donc sur ce les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo pour ceux qui sont sur YouTube et ceux qui sont passés sur le live aussi. Donc voilà, sur ce, je vous dis bisous, portez-vous bien et bonne nuit à tous.